Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique avec beaucoup de retard, mais nous irons jusqu'au bout de cette émission. Alors ce soir en plateau, nous avons la liste Réussir la Guadeloupe, une liste menée par Sonia Petro. Une liste bien sûr composée d'hommes et de femmes. Et ce soir en plateau, nous avons tout d'abord Sonia Petro qui est tête de liste. Elle est chargée de mission au conseil départemental. En 2008, elle était aux élections municipales à Basse-Terre aux côtés de Lucette Michaud-Chevry. Elle a réitéré en 2014, toujours en élection municipale, et puis en 2015 aux élections régionales aux côtés de Laurent Bernier. En 2020, elle était tête de liste aux élections municipales, donc dernières élections municipales. Nous avons en bout de table Henri Roussel-Dupré, qui est ingénieur de profession. Il est chef de projet dans les nouvelles technologies. Il est premier membre fondateur du Parti Les Républicains. Il a été réélu délégué dans la troisième circonscription. Marianne Seva est directrice d'école. Elle a fait ses débuts en politique en 2014. C'était au niveau de la commune de Sainte-Rose et puis jusqu'en 2020. Elle a participé aux dernières élections sénatoriales en tant que candidate. Gérald Corali est, lui, avocat. De 2008 à 2020, il a été conseiller municipal à Saint-Claude, conseiller municipal de l'opposition. En 2010, mais aussi en 2015, il était au régional, aux côtés respectivement d'Aldo Blaise et aussi de Laurent Bernier. Cédric Loupadière est chargé de recouvrement. Il a un master 2 en droit privé, spécialiste contentieux judiciaire. Il a un parcours politique, on va dire, tout neuf, puisqu'il débute avec ses élections régionales. Janine Moès est assistante médico-administrative. Elle a un parcours politique qui a débuté en 2020, où elle était sur la liste des municipales de Sonia Petro. Daniette Sylvestre est infirmière, mais aussi enseignante. 2008 et 2014, ça a été pour elle les municipales. Elle était sur le territoire du Gosier, donc commune du Gosier. En 2015, départementale dans le troisième canton des Abîmes. Et ensuite, en 2020, récemment on va dire, elle était au municipal aux côtés de Jocelyne Virolan, toujours sur le territoire du Gosier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Je débuterai avec vous, Sonia Petro. Donc vous avez un parcours politique, on va dire, qui est bien étoffé, qui a débuté en 2008. Donc, on peut se dire que c'est normal de vous retrouver sur ces élections régionales? Tout d'abord, je souhaiterais dire bonsoir à l'ensemble des spectateurs de Canal 10, leur demander de nous excuser pour ce petit contretemps. Ce sont les joies du direct, hein, de toute façon. Nous sommes heureux d'être sur le plateau de Canal 10 et de pouvoir présenter notre projet aux Guadeloupéens. Est-ce à dire que c'était normal de me retrouver là? Je crois que rien n'est normal en politique. Nous avons pris le temps de la réflexion, le temps de se poser les questions, de poser un diagnostic sur la situation de la Guadeloupe. Et ensuite, on s'est décidé d'aller aux élections. On a été parmi les derniers, hein, à se déclarer parce qu'on a pris le temps de la réflexion. Donc, effectivement, au bout de 12 ans d'engagement politique, s'engager pour la Guadeloupe, s'engager pour son territoire, oui, là pour moi c'est normal. Donc aujourd'hui vous avez le soutien des Républicains, on peut dire ça? J'ai le soutien des Républicains parce que je suis présidente de la Fédération Les Républicains, mais je précise que ce n'est pas une liste Les Républicains, c'est une liste ouverte, une liste citoyenne où sur 43 colistiers, il y a à peine 7 ou 8 qui sont encartés. Nous avons constitué une liste surtout de personnes qui avaient fait le constat de la situation de la Guadeloupe, qui avaient envie de s'engager, des personnes qui n'avaient peut-être jamais pensé faire de la politique un jour, comme Cédric Loupadière, mais qui se sont déterminées, se sont décidées à y aller. Donc c'est une liste
guadeloupéenne. Donc vous n'êtes pas dans une logique de parti? Non, je ne suis pas dans une logique de parti, puisque les problèmes de la Guadeloupe ne sont pas des problèmes de parti. La situation préoccupante dans laquelle se trouve la Guadeloupe n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Et c'est pour ça que nous avons voulu avoir une agglomération de compétences, une agglomération d'énergie pour pouvoir présenter une vision et un projet et une ambition à la Guadeloupe. C'est d'abord ça qui a été le moteur de la constitution de cette liste. Globalement, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Puisque c'est vrai que les problématiques sont les mêmes de toute façon, les problématiques développées. Qu'est-ce qui fait la force de votre liste? La force de notre liste, c'est d'abord son slogan. Nous avons un slogan qui est extrêmement positif. Au regard de la situation, nous voulons faire réussir ce territoire. Ensuite, la différence, elle est nette. Et d'ailleurs, ça va se développer ce soir. Nous avons fait un diagnostic que tous les autres n'ont pas fait. Nous avons fait un diagnostic d'une situation budgétaire et comptable des collectivités de Guadeloupe qui est la faillite. Et ce n'est qu'à partir de ce postulat que nous avons construit notre projet. Notre projet n'est pas une addition de promesses. Notre projet, c'est dire aux Guadeloupéens la vérité, leur dire voilà la situation, voilà où on en est et voilà ce que réellement on peut construire dans les 6, 10, 20 prochaines années. C'est ça la différence. Alors c'est vrai qu'en face, il y a une équipe sortante, un président sortant qui dit « J'ai bien travaillé, j'ai très bien travaillé. Regardez, le visage de la Guadeloupe a changé. Mmh. » Alors au niveau de la formation, au niveau de l'économie, enfin, il dit « J'ai très bien travaillé, j'ai un excellent bilan. » Alors est-ce que les deux regards ne sont pas totalement opposés? Alors, c'est bien normal qu'il dise ça. Ça aurait été curieux qu'il se représente en disant « mon bilan n'est pas bon ». C'est normal qu'il le dise, il a envie d'être réélu. Mais de temps en temps, je me demande si nous vivons dans la même Guadeloupe, si nous partageons le même air ou si nous avons le même regard sur la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe dans laquelle je vis, la Guadeloupe que nous voyons, c'est une Guadeloupe où ça ne va pas si bien que ça. Quand je vois qu'en arrivant à Canal 10, nous avons vu une série de travaux en pleine nuit, à quelques jours des élections, je me dis que le temps des travaux électoraux est loin d'être terminé. Le temps où, pour boucher les yeux des gens, on faisait rapidement des travaux, qu'on octroyait des subventions, n'est pas terminé. On vit sûrement pas dans la même Guadeloupe et je ne partage absolument pas ses déclarations. Je pense qu'au contraire, il avait sûrement de la bonne volonté, mais à l'arrivée, le bilan est particulièrement médiocre et nous allons pouvoir en débattre dans cette émission. Alors, si la bonne volonté ne suffit pas, qu'est-ce qui lui a manqué alors? Il lui a manqué une vision. Depuis une trentaine d'années, en Guadeloupe, c'est ce qui manque. Nous avions eu un bâtisseur en Guadeloupe, Félix Proto. Il a bâti la Guadeloupe, il a construit les lycées, il a fait le franchissement du pont de la Gabarre, il a fait le vélodrome, il a fait un certain nombre de choses en Guadeloupe parce qu'il avait une vision. Et ça peut paraître curieux à certains, on n'était pas du même bord politique, mais je reconnais le travail qui a été fait. Et après, on a géré. Et après, on a géré, Proto, plus de vision. On a géré sans vision. On a fait comme on a pu. Mais maintenant, nous arrivons au bout d'un système. Et on voit bien. Quand on est dans un territoire où les problèmes les plus cruciaux ne sont pas résolus, où les compteurs sont au rouge et où les services publics les plus élémentaires ne sont pas rendus à la population, on est bien obligé de se dire que si on avait une vraie vision pour le territoire, on aurait prévu. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et malheureusement, ce territoire a singulièrement manqué de prévision toutes ces dernières années. Alors, vous étiez aux côtés d'une dame qu'on qualifie de grande dame à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que, à cette époque-là, la Guadeloupe avançait? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une vision? Elle avait sa vision et elle a fait des choses pour la Guadeloupe. Mais c'était il y a 17 ans. Depuis 17 ans,
j'ai le sentiment que les choses se sont beaucoup ralenties. Je ne dirais pas que la Guadeloupe est sur pause, mais je dirais que les grands chantiers qui auraient pu être engagés ne l'ont pas été. Et depuis 17 ans, je veux bien rappeler que ce sont quasiment les mêmes qui sont à la tête de la région. Ils ont peut-être changé un peu de bord, changé un peu de chaise, mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont à la tête de la région et ce sont les mêmes qui sont à la tête du département depuis 1986. Et force est de constater que notre territoire n'est pas parmi la tête de peloton dans les territoires français. Alors c'est vrai qu'il y a un discours, et ensuite je passerai la parole, il y a un discours aujourd'hui qui dit « oui, mais il faut que les anciens laissent la place aux jeunes et parce qu'il y a un manque de vision ». Vous l'avez dit tout à l'heure, pourtant, on se rend compte qu'il y a eu des jeunes à la tête de la région, il y a eu des jeunes au niveau des communes, et on se rend compte, selon vos dires, que bon, les choses n'ont pas avancé. Alors, est-ce que c'est une question de jeunes ou est-ce que c'est une question d'implication ou de réelle volonté ou de réelle vision pour la Guadeloupe? Ben moi, je n'aborde pas la politique en termes de jeunesse ou de jeunisme. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a les meilleures idées, et ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est plus compétent ou plus expérimenté. Moi, je crois que d'abord, cela dépend des hommes, de leurs pratiques. Cela dépend aussi de ce qu'ils veulent pour leur territoire et de l'énergie qu'ils y mettent. Et ça, quel que soit l'âge. Moi, je crois que c'est surtout ça qui est important. Merci. Maintenant, Monsieur Roussel Dupré, vous êtes, je vais dire, un pilier des Républicains. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que, au niveau, alors Madame Petro nous disait tout à l'heure que c'est pas sous la coupelle des Républicains que vous venez à ces élections régionales, mais est-ce que le fait d'être républicain, ça vous permet de porter un plus sur cette liste et à ces élections? Alors oui, tout d'abord, permettez-moi de dire bonsoir aux auditeurs de Canal 10 qui nous regardent. Pour répondre à votre question, je répondais par l'affirmative. Oui, donc Sonia Petro l'a rappelé, ce n'est pas une liste que de Républicains, mais le fait aussi qu'il y ait des Républicains sur la liste et que nous soyons affiliés à un parti national, un parti de gouvernement, qui, je le rappelle, dans ses rangs, dispose de plus de 90 000 adhérents. Plus de 50% des communes de l'Hexagone sont gérées par des Républicains. Nous avons plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi un président du Sénat qui est républicain. Tout ça pour vous dire que c'est une chance pour nous et pour notre liste, parce que dans les défis que nous aurons à relever demain quand nous serons aux affaires de la région, nous aurons besoin de porter certains dossiers à très haut niveau, au niveau national et peut-être même au-delà du niveau national. Et tous ces amis nous aideront à ouvrir les portes et à obtenir les éléments dont nous aurons besoin pour pouvoir réussir la Guadeloupe et la faire réussir. La tendance aujourd'hui, c'est de dire que, bon, on n'a pas forcément besoin de parti pour réussir. La tendance est de dire que, bon, mon parti, c'est la Guadeloupe et que ça suffit largement. Ce n'est pas forcément qu'un de parti, c'est besoin aussi de compétences et de connaissances. Et il faut qu'il y ait des portes aussi qui s'ouvrent. Et par rapport à d'autres qui se complaisent à dire qu'entre Guadeloupéens, on peut tout régler, je suis désolé, nous sommes dans un monde, je dirais, ouvert, communicant. Donc il est vraiment important que nous puissions avoir ces relais nationaux pour pouvoir nous permettre d'asseoir la politique et les centres d'intérêt que nous voulons mettre en avant dans le cadre du projet Réussir la Guadeloupe. Sonia Petro, vous pourrez réagir tout à l'heure lorsqu'on aura fait le tour de plateau, donc réagir sur ce qui aura été dit, si vous le souhaitez. Marianne Seva, donc vous êtes engagée en politique depuis 2014 jusqu'en 2020. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, en tant que femme politique, on va dire, vous avez un plus à porter à cette liste? Est-ce que vous avez évolué au niveau des idées? Est-ce que vous avez pris le temps d'observer les Guadeloupéens, d'observer la Guadeloupe pour pouvoir réagir sur cette élection? Alors, je vais commencer par dire bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Je suis une femme engagée en politique depuis 2014, effectivement, parce que je crois qu'il faut
il faut qu'il y ait des femmes en politique parce que nous avons une vision qui est différente. Et surtout, moi, en tant que mère de famille, en tant qu'éducatrice, lorsque je regarde l'évolution de ma société, j'ai mal. J'ai mal. Donc, j'avais deux possibilités. Ou continuer à vivre ma petite vie de mon côté, ou alors m'engager en politique et faire en sorte de changer les choses, parce que je pense que j'ai les compétences pour travailler pour ma Guadeloupe, travailler pour ma population, travailler pour la jeunesse, travailler pour les personnes âgées, travailler pour tous ceux qui sont des richesses, parce que nous avons beaucoup de richesses en Guadeloupe. Et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que la Guadeloupe puisse rayonner au niveau de la Caraïbe, rayonner au niveau hexagonal, rayonner au niveau de l'Europe et rayonner au niveau international. Vous avez dit que la vision des femmes est différente. Alors, qu'est-ce qui différencie les femmes, cette vision, de celle des hommes? Eh bien, vous faites comme s'il n'y avait pas d'hommes sur ce plateau. Non. Allez-y, non, Franco. Au contraire, nous sommes complémentaires. Et c'est ça la force de la liste réussir à la Guadeloupe. Vous savez, il ne faut pas opposer l'homme à la femme, puisque tous les deux sont complémentaires. S'il n'y avait pas d'homme, s'il n'y avait pas de femme, ben nous, il n'y aurait pas d'humanité sur cette terre. Mais je crois que je parle par rapport à la sensibilité. Je parle de moi. Je suis une femme, j'ai une sensibilité. Peut-être qu'Henri a une autre sensibilité. Ces deux sensibilités-là se complètent. Donc c'est dans ce sens que je dis que nous, en tant que femmes, nous apportons une autre vision à la politique, mais c'est une vision qui permet d'avancer. Merci, Gérald. Coralie, alors cette vision masculine, quelle est-elle? La vision masculine pour la région? Oui. Ben, on le voit, certains propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux sont vraiment à bannir. Je pense que Sonia Petro reviendra dessus. Pour avoir eu l'expérience de, en tant que directeur de cabinet, lorsque j'ai commencé ma carrière politique, pour vous répondre, j'ai commencé aux côtés d'un homme qui était réputé comme étant intransigeant, c'était Albert d'Orville. Il était président de l'Association des maires et maire de Trois-Rivières, comme vous le savez, et aussi conseiller général. Et quelqu'un qui savait déléguer aussi, puisqu'il m'envoyait à peu près partout, toutes les réunions possibles. Et j'ai eu le contact de quelques femmes en politique. Je vais vous les citer. Jeannie Marc, René Julliard, Lucette Michaud-Chevry, Gabriel-Louis Carabin, Marlène Captan. Alors pour les auditeurs de Canal 10 qui nous suivent, j'allais vous dire que la vision de la femme en politique, elle est pragmatique, réaliste. J'ai toujours été surpris lorsqu'il y avait des travaux à l'Oricisque avec Lucette Michaud-Chevry ou dans un collège avec Jeannie Marc lorsqu'elle était première présidente du Conseil général. Eh bien, la femme en politique, elle va visiter les salles de classe, elle va visiter les réfectoires, elle va visiter, par exemple, les lieux de toilettes, et elle dit, tiens, là, ça peut marcher ou ça marche pas, là, c'est pas repeint, et voilà. Et l'homme politique, parfois, c'est un peu ce qu'on assiste avec la région. Eh bien, je monte sur un canot sur la Gaba et en Cadib, et voilà. Je dis des choses qu'il ne faut pas forcément dire et répéter. L'homme, ça, c'est l'homme en politique. Je dis justement que la vision n'est pas la même. Vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. Hein. Quelle est la place ou la forme de faire de la politique chez la femme? Souvent, elle est un peu plus précise. Et j'ai l'art de dire les choses très directement. Je pense que la prochaine région sera gouvernée par une femme et par Sonia Petro. Bien. Oui, merci pour les hommes. C'est ce que je pense. Oui, mais c'est très bien de dire ce que vous pensez. Maintenant, Cédric Loupadia, ben, les dés sont jetés. Hein. Les hommes en politique, vous êtes jeune. Vous débutez en politique actuellement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, avant tout, bonsoir à tous les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéennes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'a poussé à m'engager en politique, c'est d'abord parce que je trouve que j'ai ma pierre à porter à l'édifice. On n'est pas assez représenté. Pas parce que le fait que je suis jeune, mais je considère pour ma part que la Guadeloupe est en train de vivre une grave crise économique, politique, sociale, et que nous devons apporter des solutions. Et si j'ai décidé de m'engager aujourd'hui, c'est parce que j'estime que je peux apporter des compétences. Voilà.
Oui. Apporter des compétences, est-ce qu'il s'agit pour vous de rallier des jeunes en politique? Est-ce qu'il s'agit pour vous de parler aux jeunes directement, puisqu'on dit que qui mieux que les jeunes peuvent convaincre les jeunes? Alors, je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de la politique, au-delà du fait de rallier les jeunes en politique, il faut savoir qu'une grande majorité des jeunes ne votent pas. Et pourquoi les jeunes ne votent pas en Guadeloupe? Tout simplement parce que pendant très longtemps, on entend, quels que soient les partis politiques, le candidat, on va travailler pour la jeunesse, on va faire ceci pour la jeunesse. En fait, on sert de prétexte pour les élections. C'est souvent le cas. Et lorsqu'on regarde sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour nous les jeunes. Pour tous les jeunes. Donc aujourd'hui, en plus d'apporter cette voix pour les jeunes, mais c'est également pour moi l'occasion de dire, je ne veux pas parler que pour les jeunes, mais je veux parler pour l'ensemble des Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous vivons une crise qui est grave. On a, en 2015, on a un président de région qui nous a dit que vous allez changer d'avenir. En 2021, lorsque je regarde, moi, le constat, je dis, rien n'a été fait. Lui dit, vous avez changé d'avenir. On n'a pas changé d'avenir dans la bonne direction, en tout cas. Ah ouais? Non, vous, pas du tout. Vous dites non. Vous ne vous êtes pas retrouvé dans cette politique menée par l'équipe sortante? Non. Et je pense que pratiquement une bonne partie des Guadeloupéens ont été déçus parce qu'on nous a promis tellement de choses et ça fait tellement longtemps qu'on entend les politiques nous dire on va faire ceci, on va faire cela. Et lorsqu'on regarde sur le terrain, rien n'est fait. Alors qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de choses en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une île magnifique. On a beaucoup de potentiel, de talent, et il faut juste l'exploiter au maximum. Est-ce que vous avez été mobilisé, vous, jeune? Est-ce que vous avez voulu prendre votre destin en main? Est-ce que vous avez voulu, vous, jeune, aussi dire nous sommes là et nous avons des idées? Mais, ou est-ce que, justement, vous avez attendu que les choses se fassent? Mais c'est la raison même, c'est le sens même de mon engagement aujourd'hui. Mon engagement politique, c'est... J'aurais pu me dire que je reste là, je vais faire comme d'habitude, je n'irai pas voter. Je les laisse entre eux, ils vont gérer leur affaire. Mais je me suis dit, non, l'heure est trop grave. La situation est trop grave en Guadeloupe. Il faut que ça change. Il faut dire stop, on n'en peut plus. Et justement, moi, je veux représenter cette majorité silencieuse qui ne s'exprime pas forcément, qui se dit, bon, on peut bien se passer des politiques parce qu'au final, rien ne change. Et vous pourrez faire changer les choses si vous êtes élu à la région? Je pense que nous avons une très bonne équipe avec des hommes et des femmes qui sont très compétents. Et j'ai de la chance de travailler avec l'ensemble de mes collègues. Et je peux vous dire que nous, à la différence des autres listes, nous avons un véritable projet pour les Guadeloupéens. Nous avons travaillé, nous avons fait un gros travail de fond. Et nous avons une tête de liste tout juste exceptionnelle qui a envie de travailler. Donc ici sur le plateau, vous avez des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt de la Guadeloupe. Merci Janine Moès. Donc c'était les débuts en 2020, hein, et vous avez poursuivi sur ces élections régionales. Maintenant, on va dire que l'élection régionale, c'est une élection parmi tant d'autres. Est-ce que pour vous, le fait d'être candidate aujourd'hui, c'est dire aux Guadeloupéens, j'ai décidé de faire avec vous et pour vous? Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir à tous les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes qui nous regardent. Donc, oui, je me suis engagée en politique parce que j'ai voulu porter ma pierre à l'édifice afin de faire bouger un peu les choses. Parce que, effectivement, comme disait mon collègue Cédric, j'aurais pu très bien rester aussi dans mon coin et dire, bon, je les laisse faire. Sauf que aujourd'hui, nous sommes vraiment à la tournée. Et donc, il faut vraiment que l'on s'engage et qu'on décide de faire autrement. Moi, j'ai envie d'autre chose pour ma population. J'ai envie d'autre chose pour ma Guadeloupe. Voilà. Vous avez envie de quoi pour votre Guadeloupe? J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de voir une Guadeloupe qui évolue. J'ai envie de voir des routes bien construites. J'ai envie de voir des transports pour emmener les gens qui n'ont pas de voiture. J'ai envie de voir une jeunesse qui aura une formation adéquate et qui pourra travailler demain. J'ai envie de voir ma jeunesse rester en Guadeloupe et non pas s'évader. J'ai envie d'avoir de l'eau dans les robinets. J'ai envie de plein de choses pour ma Guadeloupe, madame. Voilà.
Merci, nous développerons d'ici quelques instants. Daniette Sylvestre, alors vous, c'était particulièrement, on va dire, sur le territoire du Gosier. Donc, vous avez fait, vous aussi, un constat d'échec sur cette mandature régionale. Alors, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10, ainsi qu'à vous, Madame Boissé. Merci. Merci pour votre invitation. Oui, en effet, donc je me suis engagée parce que je ne suis pas une personne qui se plaint sans réagir. Je m'investis pour que les choses puissent évoluer favorablement pour la population. Effectivement, j'ai commencé sur le territoire du Gosier, mais être candidate pour les départementales, c'était aussi s'engager pour toute la population. Donc voilà, mon engagement, c'est favoriser l'épanouissement, l'évolution de notre population. Et puis voilà. Merci Sonia Petro. Vous pouvez rapidement rajouter quelques mots si vous le souhaitez. Sinon, nous passons au thème. Je crois que là, vous avez les téléspectateurs de Canal 10 ont pu se rendre compte déjà sur les présentations de la qualité de l'implication de nos colistiers. Les 43 sont comme ça. On les salue. On a une colistière qui est la numéro 3, qui est souffrante, Rosalie Boussardeau, qui est une femme extrêmement engagée sur son territoire, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous. On les salue tous. Et je voudrais juste ajouter, quand vous avez parlé des partis, dire que, encore une fois, on ment souvent aux Guadeloupéens. Pour les élections régionales, personne ne se réclame de rien. Et dans quelques mois, il va y avoir les élections présidentielles et les mêmes seront en train de soutenir un candidat. Donc, juste dire aux Guadeloupéens qu'encore une fois, c'est souvent de la poudre aux yeux. Est-ce que ce candidat fait encore recette au regard de ce qui se passe? Oui, parce que pour les élections présidentielles, il va y avoir plusieurs candidats. Donc nous aurons le nôtre que l'on va soutenir. Et on verra bien ce qui se passera pour la Guadeloupe et pour la France. Merci. Maintenant, nous passons au thème. Donc on va arriver avec vous. Le premier thème. Donc j'ouvre en fait. Oui, vous pouvez. Je tire mon vous petit pouvez. Sachet. Alors, l'innovation. Oui. Écoutez. Donc je débat simplement donc, comme ça. Donc vous avez bien choisi votre thème apparemment. Écoutez, vous avez eu la main heureuse. C'est le hasard qui fait bien les choses. Oui. Alors vous avez à développer le thème en relation avec ce que vous souhaitez faire exactement. L'innovation, c'est un sujet qui est d'autant plus important qu'on a pu, et nombre d'entreprises et nombre de Guadeloupéens ont pu se rendre compte qu'avec la crise du Covid que nous avons connue, avec des confinements, avec des arrêts brutaux de l'économie, eh bien, ce sont les personnes et les entreprises qui ont pu s'adapter et donc qui ont pu innover, qui ont les mieux résisté, je dirais, à ces moments difficiles. Donc c'est un sujet d'importance pour notre liste, l'innovation, parce que c'est aussi, je dirais, une des prérogatives de la région à travers le développement économique. Et nous voulons être innovants sur ce sujet. L'innovation pour nous, ça sera de placer notamment l'entreprise au cœur du développement économique. Et quand je parle d'entreprise, j'aimerais que les téléspectateurs comprennent bien que je parle de toutes les entreprises, de la plus petite, unipersonnelle, c'est-à-dire l'agriculteur, le marin-pêcheur, l'artisan, la petite et moyenne entreprise, les professions libérales et les entreprises les plus grandes. Notre volonté, c'est d'accompagner ces entreprises. Et Dieu seul sait qu'après le Covid, ou la Covid, hein, on a les deux termes. Je vais vous demander de patienter un petit peu avant d'ouvrir vos petits vos papiers. Parce que, oui. Donc, patientez et vous aurez le temps d'ouvrir au fur et à mesure. Voilà. Donc, allez-y. Donc, je reprends mon propos. Il y aura nécessairement un après-Covid. Et nombre de personnes l'ont déjà compris. Les choses ne pourront pas être comme avant. Donc il va falloir s'adapter, mais surtout innover pour propulser la Guadeloupe
vers l'excellence. Il faudra qu'on change les choses. Ceux qui vous disent qu'ils vont faire comme avant, eh bien, ils ont tout faux. Parce que s'ils font comme avant, eh bien, les mêmes mauvais résultats vont se produire. Donc il faudra aller vraiment de l'avant pour proposer des choses novatrices et encore une fois, en replaçant l'entreprise au cœur de l'activité économique. Alors jusqu'ici, est-ce que l'innovation avait sa place ? L'innovation a toujours sa place. Il y a des gens qui innovent en Guadeloupe, mais pas suffisamment. En tout cas, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés. Et nous, notre volonté, c'est d'aider du mieux possible tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Une de nos actions sera de mettre en place un guichet unique pour accompagner les porteurs de projets et simplifier surtout les procédures. Nombre de Guadeloupéens ont des projets, ont des idées, mais ce n'est pas pour autant qu'ils savent constituer un dossier pour demander une aide, quelle qu'elle soit. Eh bien, nous allons simplifier tout ça et mettre en place une organisation pour accompagner ces porteurs de projets, quels qu'ils soient, avec, une idée forte. Imaginer local, mais penser global. Ça, Madame Boissé, c'est de l'innovation. Parce que si on se concentre aussi que sur la Guadeloupe, que sur notre territoire, certains projets, certaines innovations nécessiteront des investissements tels que le seul marché intérieur, le seul marché de la Guadeloupe ne suffira pas à amortir ces investissements. Donc il faudra qu'on ouvre la Guadeloupe sur l'extérieur. Et cette ouverture, elle passe, si vous le permettez, autre innovation, par la transformation numérique de la Guadeloupe, des entreprises et des Guadeloupéens. Alors il y a déjà un pas qui a été franchi il y a quelques années en arrière, en 2006 exactement, lorsque la Guadeloupe a été raccordée au réseau Internet à très haut débit par une fibre optique sous-marine qui relie la Guadeloupe à Miami, en passant par différentes îles. Et il se trouve que c'est un sujet que je connais très bien, puisque j'avais été à l'époque... Alors on va un petit peu écourter rapidement, puisqu'on doit faire le tour de table, et on y reviendra. Voilà. Donc, ce que je veux dire, on a mis en place l'autoroute qui nous conduit à Miami et au réseau Internet à haut débit en 2006. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, donc en 2021, malgré les belles promesses qui nous ont été faites, les Guadeloupéens et nombre d'entreprises n'ont pas l'accès au haut débit, n'ont pas la fibre chez eux. Et ça, c'est fondamental. Donc l'innovation passera par ça et notre priorité sera de permettre à chaque Guadeloupéen d'avoir un accès fibre chez lui et le très haut débit. Merci. Maintenant à vous. Bon, vous l'avez déjà lu, donc allez-y. Oui, c'est la culture. Alors, c'est un thème que j'apprécie beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit en préambule que j'étais donc directrice d'école. Et donc, je me soucie des résultats des étudiants lorsqu'ils partent pour faire de grandes études. Vous savez, en Guadeloupe, nous réussissons très bien dans tout ce qui est enseignements fondamentaux, français, mathématiques, nous sommes très bons. Par contre, au niveau de la culture, c'est là où le bât blesse. Et c'est là où nos étudiants n'arrivent pas à rentrer dans les grandes écoles parce que justement il y a un manque de culture. Alors la culture en Guadeloupe, ça doit pas être un lieu de créativité, de diversité et pas le lieu d'une pensée unique ni d'un dictat. Il faut que la culture soit l'objet des collectivités. Il faut que toutes les collectivités prennent en charge la culture. Alors, on doit travailler avec le mécénat, oui, vous alliez dire. Oui, allez-y, terminé. Pour développer déjà des partenariats économiques et qu'il y ait un vrai dynamisme au niveau du territoire. Donc, plus de place à la culture. Plus de place à la culture. Comme je vous l'ai dit, c'est là où le bât blesse lorsque nous faisons des demandes pour les entrées dans les grandes écoles. Donc, la collectivité régionale ne fait pas de culture. Mais elle doit aménager, insuffler, développer, accompagner. Et notre projet pour réussir la Guadeloupe avec Sonia Petro se développe en trois points. Le MACT. Oui. Le MACT doit redevenir un vrai musée. Il doit intégrer le réseau international des musées et avoir un vrai rôle d'attractivité au niveau international. Vous savez, lorsque vous partez en métropole, nous avons une carte, nous, les enseignants, nous avons une carte où nous pouvons entrer dans les musées, nous pouvons entrer et visiter. Et ça permet en fait d'avoir une base
pour faire travailler et donner de la culture aux enfants. Arrivé en Guadeloupe, ben, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette culture. Il faut la développer. Il faut faire en sorte que tous les enfants, qu'ils soient de famille défavorisée. Donc, utiliser le Mac pour ça. Oui, mais le Mac, t'es là. Oui. Il faut l'utiliser. Il y a aussi... Alors, on va s'arrêter sur un point, puisqu'on va faire un tour et plus on aura le temps de développer, puisqu'on doit faire le tour du plateau. D'accord. D'accord. Gérald Kouali, le thème. Donc, vous m'avez demandé de traiter de l'infrastructure. Qui est un thème si vaste qu'on ne s'y retrouve pas finalement. Est-ce le port autonome, les aéroports, les universités, les bâtiments gérés par la région, ceux qui sont aujourd'hui déficitaires, ou je dois faire le bilan du port autonome de Marie-Luce Panchard, je fais que voilà. Comme vous le souhaitez. Mais vous avez bien compris que votre question, même si elle se veut précise, ne l'est pas forcément. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le Conseil régional est une collectivité d'impulsion économique. C'est une collectivité de financement et de soutien des autres communes ou communautés d'agglos et participe au financement, y compris des infrastructures. Sommes-nous prêts aux changements qui surviennent? Avons-nous correctement accompagné les changements qui ont été imposés, notamment dans la gestion de l'aéroport, lorsqu'il y a eu la remise en cause de la gestion par les chambres de commerce de l'aéroport Paul Caraïbes notamment. Avons-nous trouvé une région offensive sur ce sujet-là, sur le fret, sur la continuité territoriale? Nous pensons que non. Et là-dessus, il est vrai que lorsque vous allez demander, parce que vous allez le faire, j'espère, à Sonia Petrou, eh bien, de développer son programme. Le tour de table est évidemment certainement utile, mais les 50 propositions du programme de cette liste l'est tout autant. Eh bien, nous serons vraiment au cœur du sujet et j'espère que nous allons l'aborder. Donc, pour votre question, les infrastructures, je vous ai répondu. Le transport, Janine, évidemment, le développera de façon ample, avec des propositions innovantes, avec des propositions, tous les thèmes avant même que je vous le dise. Écoutez-moi. Alors, Gérard Kouali, l'infrastructure comprend aussi le transport. Il y a un format d'émission, donc on va le suivre. Madame Boissé. Allez-y. Madame Boissé, s'il vous plaît. Sauf que dans les infrastructures, je ne suis pas le spécialiste du transport dans notre liste, et donc je demanderai à Janine de développer. Bien, alors j'aimerais bien planter le décor quand même. Il y a un format dans cette émission et bien sûr, les listes se plient à ce format puisque nous devons faire un tour de plateau. J'arriverai à la tête de liste en dernier et puis nous aurons à répondre aux questions de téléspectateurs puisque nous avons 1h30 d'émission pour toutes les listes et il faut que nous puissions avancer dans ce temps qui nous est imparti. Donc, j'arriverai avec vous sur le thème. Le développement économique. Oui. Alors, avant toute chose, parler de développement économique, il faut savoir qu'on ne peut pas faire du développement économique sur ce territoire si on ne traite pas la question de la faillite budgétaire. C'est une question prioritaire à traiter avec l'état d'urgence. Il faut savoir que presque 320 millions de mandats sont impayés. Et donc, il va falloir réinjecter cet argent. Voilà. Et je le laisse continuer, mais je parlerai de ce point précis un peu plus tard. Donc, en ce qui concerne le développement économique, donc nous, on va mettre en place un dispositif d'accompagnement pour rapprocher du numérique les seniors les moins initiés. Comme m'a parlé mon collègue Henri, on va faire également la création d'une agence unique, un guichet unique pour les entreprises. Et on va élaborer un vrai guide des aides pour les entreprises avec un menu déroulant. Voilà. D'accord. Maintenant, votre thème. Le transport. Oui. Donc, le transport, ça tombe bien puisque moi, j'ai fait la route pendant des années. Bastère Pointe-à-Pitre pour aller travailler. Et en matière de transport, pourtant, on a la loi NOTRe du 7 août
2015, qui dit que la région, normalement, est l'autorité organisatrice du transport. Le constat, malheureusement, est loin d'être satisfaisant. Quand je vois toutes les personnes qui attendent au bord des routes, qui n'ont pas un transport, je dis, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Quand je vois les embouteillages qu'il y a sur les routes, je pense que s'il y avait des transports organisés, beaucoup de personnes n'auraient pas eu besoin de prendre leur voiture pour se déplacer. Et donc, on aurait pu régler aussi pas mal de choses. Alors, ce qui a été mis un petit peu sur pied pour essayer de régler ce problème d'embouteillage de transport, ce sont les bus des maires. Qu'en pensez-vous ? Le bus des maires, alors, il a été, oui, ça a été mis en place à l'essai en Nord-Grande-Terre. Ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et moi, je peux vous dire... C'était une fausse bonne idée. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger des bonnes ou des mauvaises idées des gens. Je fais un constat, simplement. Et je me rends compte que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et je vais vous dire, sur Basse-Terre, en tout cas, le Nord-Basse-Terre, le Sud-Basse-Terre, on n'a pas de transport. Ça n'existe pas. On n'a pas de transport. Et je vous dis, l'idée de bus de mer, même si on le mettait sur la mer, sur le Nord-Basse-Terre ou le Sud-Basse-Terre, il faut tenir compte des aléas. Vous êtes dans un bateau, mais ça bouge. Si vous n'avez pas le pied marin, alors que vous allez travailler, vous faites comment? Vous arrivez malade? Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, puisque de toutes les façons, il n'a pas fonctionné, le bus des mers, jusqu'ici. Vous avez essayé, vous avez... Je n'habite pas le Nord-Grande-Terre, mais j'ai pris... Non, je vous assure que s'il était... J'aurais essayé volontiers. Je l'aurais essayé volontiers. Mais malheureusement, il n'était pas à ma portée. Voilà. Donc, le transport, effectivement, on en parle depuis très longtemps. Trop longtemps. Et aujourd'hui, vous vous dites que c'est l'une des préoccupations. Ah oui, c'est une des préoccupations l'une majeures. L'une des priorités. Madame Boissé, vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre chez un médecin parce qu'ils n'ont pas de voiture et il n'y a pas de transport qui passe devant chez eux. Ou alors, ils attendent 3 heures de temps. Est-ce que vous savez que pour faire des fois 20 km, quelqu'un se réveille à 4 heures du matin, se met au bord du chemin pour attendre un bus, qui n'arrive pas, qui arrive 3 heures de temps après et quand il a raté son rendez-vous. S'il pleut, il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre dans un hôpital. Ça existe, ça c'est la réalité. Et il faut le dire. Merci pour vous. Le alors thème... Moi, c'est le cadre de vie. Alors je suis contente d'être tombée sur ce thème parce qu'il me touche tout particulièrement vu que je suis infirmière, j'ai travaillé en tant qu'infirmière libérale. Donc j'ai fait des constats, j'ai constaté que les personnes chez qui j'apportais mes soins n'étaient pas logées dignement. Alors effectivement la région a fait des promesses pour... reloger des personnes dignement, au moins 10 000 appartements ou logements seraient construits sur le territoire pour reloger toutes ces personnes. Et finalement, on a constaté que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été respecté. Et de plus, ce que je trouve triste dans cette affaire, c'est que... on n'a pas demandé l'avis de cette population. On leur a proposé des appartements à étage, alors qu'ils étaient dans des maisons individuelles, pour une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Culturellement, habiter dans des cités, ça fait pas partie de notre culture. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour que tous puissent avoir un logement individuel, par exemple. Voilà, mais en fait, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Mais réhabilitons les logements qui sont indignes. C'est une des compétences de la région. Pourquoi ce n'est pas fait? Les dossiers, j'en ai monté plusieurs pour certaines personnes. Ce sont des dossiers qui restent sans réponse. Donc, non, il faut respecter, les Guadeloupéens. Et quand on dit qu'on veut résorber les logements indignes, eh ben,
il faut agir concrètement et puis tenir ses promesses. Merci. Maintenant, le thème. Moi, c'est aménagement du territoire. C'est pas en fait. J'ai pas triché. Je suis tombée dessus. Ah, parce que les autres ont triché. Non. Mais comme on est dans une classe et qu'on est en train de passer un grand oral, donc on a tiré au sort et c'est ça. Alors, parler d'aménagement du territoire, c'est parler du cœur de la région. C'est ce que la région est censée faire. Une région, le conseil régional n'est pas censé créer des emplois. Il n'est pas censé servir d'amortisseur social. Il est censé aménager un territoire pour créer les conditions du développement de ce territoire. Aménager les routes, faire en sorte qu'il y ait des connexions Internet, faire en sorte qu'il y ait du transport. C'est ça le rôle d'une région. Et ça n'a pas été fait. Donc, présentement, nous sommes à un carrefour, à une croisée des chemins, et nous sommes à une élection régionale où tout le monde vient avec son projet et vous dit on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Mais tout ce qu'on a développé là, ça ne pourra être fait. Il faut que les Guadeloupéens le sachent. Rien ne pourra être fait si on ne résorbe pas la situation de faillite budgétaire des collectivités guadeloupéennes. Cédric en a parlé succinctement, mais il faut savoir qu'il y a un rapport de l'inspection générale de l'administration qui est sorti en octobre 2019, qui dit de façon très claire qu'il y a 1,3 milliard de factures mandatées et non payées aux entreprises pour les quatre départements. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. En sachant que la Réunion est le meilleur élève, le moins mauvais. On divise par 4, ça nous fait 320 millions. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises guadeloupéennes, les petites entreprises ont servi de banquiers aux collectivités. Donc, on nous parle actuellement de plan de relance. Pour faire repartir ce territoire, pour que l'économie redémarre, il faut absolument réinjecter dans cette économie ces 320 millions. Pour les réinjecter, il faut qu'on aille voir l'État, une fois qu'on sera à la région, et qu'on demande un prêt garanti de l'État de 320 millions. Alors vous allez me dire, pourquoi on va vous l'accorder? Ça ne coûte rien à l'État, les prêts garantis. On va nous l'accorder parce qu'on sera crédible. Actuellement, la Guadeloupe a un déficit de crédibilité auprès des instances nationales. Mais l'État dit aussi, je suis en grande difficulté, donc mais l'État, prenez-vous à charge. L'État parle de quoi qu'il en coûte. L'État a su trouver 200 millions pour sauver une compagnie aérienne, 7 milliards pour sauver Air France. L'État va nous prêter 320 millions pour sauver ce territoire. Et une fois qu'on l'aura obtenu, l'État va nous poser ses conditions. Il va nous dire 40 à 60 ans pour rembourser. On va le faire. Quand vous allez voir votre banquier, vous voulez construire une maison, on regarde votre solvabilité. Si vous êtes crédible… Et là, on vous l'accorde. L'État fonctionne comme ça? L'État fonctionne en fonction de la crédibilité de ceux qui sont là. Quand on a un taux de corruption aussi important en Guadeloupe, quand on a des élus qui ne font pas ce qu'il faut pour leur population, on ne peut pas aller demander de PGE à l'État. Nous irons le demander. L'État a surtout dit « j'ai aidé ». Non. Donc, l'État… Le plan de relance, ce sont des subventions. On ne verra les premiers effets que dans 24 mois. Le PGE, on le réinjecte dans l'économie, ce sera immédiat. Là, les entreprises vont pouvoir payer les charges. Là, les entreprises vont pouvoir créer de l'emploi. Et là, on va pouvoir aménager ce territoire. Alors, est-ce que vous avez le budget régional en termes d'aménagement du territoire? Non, je n'ai pas le montant, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas aménager ce territoire uniquement avec le budget de la région. On ne peut pas l'aménager ni avec le budget de la région, ni avec celui du département. Pour aménager un territoire, il faut le département, la région, les communautés d'agglomération, communautés de communes et les communes plus l'État. Au niveau des communautés d'agglomération, il y en a 3 pour qui ça ne va pas bien. Et je suis sympathique en disant ça. Sur 32 communes, il y en a 29 qui sont en difficulté. On ne pourra pas aménager ce territoire si toutes les collectivités ne sont pas en meilleure situation financière. Et à ce moment-là, on va faire de la concertation
et avec l'État, on va réaménager. Alors, pour l'instant, ce sont les Guadeloupéens qui payent, ce sont les Guadeloupéens, de par leurs impôts, je vais dire, qui sont en train de supporter toutes ces choses dont vous parlez. Alors aujourd'hui, ce que le Guadeloupéen demande, c'est d'aller mieux, c'est d'avoir de l'eau dans les robinets, c'est d'être en sécurité au niveau de l'emploi. Les Guadeloupéens ont des attentes bien précises. Alors est-ce que, au niveau de la région, on peut dire que toutes ces attentes pourront être, je dirais, assouvies, ou est-ce qu'il y a réponse à toutes ces attentes ? Madame Boissier, il faut parler un langage de vérité aux Guadeloupéens. Pour réaménager ce territoire, il faut 4,5 milliards. Il faut à minima presque 1 milliard pour l'eau et pour rénover les réseaux existants. Je ne parle pas du redimensionnement des réseaux pour toutes les nouvelles constructions. Il faut plus de 500 millions pour l'assainissement. Il faut 600 millions pour les routes, 600 millions pour les connexions Internet. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? Le budget de la région, il faut bien le comprendre, ne pourra pas suffire à aménager le territoire. Donc, quelles sont les priorités, selon vous ? Les priorités, c'est d'assainir, c'est régler ce problème de faillite budgétaire. D'ailleurs, c'est notre première proposition. Nous avons pris 50 engagements vis-à-vis de la population. Le premier engagement, c'est de régler cette situation de faillite budgétaire avec l'octroi du PGE. Une fois que ça, ce sera réglé, là, on va commencer à faire du développement. Deuxième priorité, c'est l'eau. Il est inadmissible qu'en 2021, on ne puisse pas de façon digne rentrer chez soi après une journée de travail et ne pas pouvoir prendre une douche. C'est inadmissible que des mères de famille se lèvent à 3 heures du matin pour surveiller l'arrivée d'eau, pour mettre en route une machine à laver le linge. C'est pour ça que je dis qu'il faut des gens pragmatiques à la région. Nous, nous sommes pragmatiques. Moi, je sais ce que c'est que de mettre en route une machine à laver. Manifestement, les gens qui sont à la tête de la région, ça fait un moment peut-être qu'ils ne savent plus ce que c'est que la région. Alors, la région dit : nous avons beaucoup fait en ce sens. Nous avons été au-delà de ce qu'on pouvait faire. Alors, le département a dit la même chose. L'État a dit la même chose. Et le total, c'est quoi ? On entend des millions. Millions par-ci, millions par-là. J'ai fait tant. Cela, c'est un calcul incroyable. Et au final, et je vous dis que les choses empirent. Pendant longtemps, Basse-Terre et Saint-Claude étaient épargnés par les coupures d'eau. Ben, c'est terminé. C'est terminé. Gosier, pareil. Moi, ça fait 2 ou 3 jours. Ça va un peu mieux au Gosier, quand même. Un petit peu mieux. Alors, voilà. Non, à la faveur des élections, on livre des citernes un peu partout. Saint-François, je ne parle même pas de ce qui se passe là. C'est inadmissible. Inadmissible. Je vous dis, à Saint-Claude, attention, l'eau sort de là quand même. Ben, il n'y a pas d'eau dans certains quartiers depuis 2 ou 3 jours là. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est parce qu'on gère la pénurie. On gère la pénurie, 50% de la ressource, de la ressource en eau part dans les canalisations, c'est sur les routes et ailleurs. Et on manque d'ingénierie pour pouvoir trouver les fuites d'eau. Parce que certaines fois, ça va, c'est même des petites choses. Hein. Pour pouvoir trouver les fuites d'eau, on n'a pas les personnes aux bons endroits. Donc nous, on a un plan pour ça. Et on prend l'engagement devant les Guadeloupéens de dire qu'une fois arrivés à la région, dans les 2 mois, on va équiper plus de 22 000 familles de bacs tampons de 2 000 litres qui vont leur permettre, en cas de pénurie d'eau, suivant la composition de la famille, pendant 4, 5, voire une semaine d'avoir de l'eau. Donc vous ferez de ce problème d'eau votre cheval de bataille? C'est un cheval de bataille parce que c'est la dignité. Et puis, on ne va pas se contenter des bacs d'eau. On va aussi aller chercher l'argent pour la rénovation. Parce qu'il faut que les Guadeloupéens sachent aussi qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par la Banque des territoires depuis février 2019 qui s'appelle l'Aquaprêt. On va contracter un aquaprêt. L'aquaprêt va nous permettre pendant 40 à 60 ans de rembourser un emprunt. Alors, j'explique. 40 à 60 ans. Voilà, j'explique aux Guadeloupéens. La Banque des territoires a mis en place un fonds de 2 milliards d'euros pour pouvoir rénover les réseaux d'eau.
on a le droit de demander un emprunt à hauteur de 50% de ce qu'on veut réaliser comme travaux. Donc il nous faut à peu près 1 milliard, on pourra demander 500 millions. Et ce sera un taux de 1,5% d'intérêt sur 40 à 60 ans. Et là, on va commencer à rénover et on va compléter avec des fonds européens. Ce sont des dispositifs qui existent et je ne comprends pas alors, que ça n'ait pas encore été fait. Alors, tout à l'heure, vous aurez la possibilité peut-être de rajouter sur un point. Je demanderai à la technique de me mettre le numéro de téléphone au niveau de l'écran. Sur l'amélioration de la Et puis, nous prendrons quelques appels de téléspectateurs. Vous avez eu à écouter bien cette liste sur les propositions, cette liste réussir la Guadeloupe. Vous pouvez poser vos questions, une question par appel pour que nous puissions en récupérer un maximum. Voilà. Maintenant, allez-y. Donc, sur l'eau, donc priorité, on l'a compris. Ensuite l'autre priorité, enfin... Il n'y a que des priorités, mais dans le cadre de vie, concernant l'amélioration de l'habitat, il y a un dispositif qu'Action Logement a mis en place, 1,5 milliard pour rénover l'habitat indigne. Et c'est 1,5 milliard pour la Guadeloupe que nous pouvons mobiliser. Et nous allons surtout rendre l'amélioration de l'habitat équitable, parce qu'il n'est pas normal que certains en bénéficient et pas d'autres. Alors, vous poursuivrez tout à l'heure, puisque nous irons au fur et à mesure avec les appels de téléspectateurs. Nous en avons un. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Madame Pétro et ses policiers. Très contente de vous voir ce soir à la télé pour moi mettre un nom sur un visage. Et c'est une émission que j'apprécie, je l'ai déjà dit à Madame Boissé. Merci, madame. La question, je vais directement vers madame Sylvette, qui est une infirmière, je crois. Oui. La Guadeloupe, on dit, est malade depuis quelques années, selon les chansons, selon ce qu'on constate. Qu'avez-vous prévu pour réduire les carences au niveau de la santé mentale des Guadeloupéens? Parce que c'est un sujet important. Pour lequel on n'a jamais entendu parler de, ni par un groupe, ni par des candidats qui doivent aller aux élections. Alors que sans une santé mentale correcte, on ne peut pas faire comprendre le développement au niveau de la Guadeloupe. Donc c'est ce que j'aimerais bien savoir. Et maintenant que vous avez fait des constats, combien de temps vous nous donnez quand vous serez à la région pour recommander, ne s'arrête pas par les transports, c'est très important. Merci. Donc, allez-y. Alors, bonsoir, madame. Je vais essayer de répondre à votre question et je demanderai à Sonia de compléter s'il faut quelque chose. Donc, effectivement, c'est un constat que j'ai pu faire. Ça devient compliqué de s'occuper de personnes atteintes de pathologies mentales. Il n'y a pas suffisamment de structures pour les accueillir. Les médecins même sont surbookés. Nous, en tant que professionnels de santé, c'est pas toujours facile de gérer ce genre de personnes qui ont des besoins comme n'importe qui d'autre. Mais le programme que nous avons établi avec Sonia, on a pensé à toutes ces pathologies. Alors, les pathologies, toutes les pathologies chroniques. Hein. Donc, on a pensé à des maisons de santé où on pourrait accueillir ces personnes. Il y aura un système d'urgence, pas comme les urgences du centre hospitalier, mais un système d'urgence où on pourrait, il y aurait d'autres professionnels de santé qui seraient à même de gérer certaines situations et de passer le relais à des structures un peu plus importantes. Vous avez prévu combien de maisons de santé ? Ben, il serait bon qu'il y en ait au moins une par communauté d'agglos. Exactement. Voilà. Parce que de toute façon, c'est indispensable. Et il n'y a pas que les maladies mentales. Il y a toutes les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité. Il y a la drépanocytose. Il y a toutes ces pathologies-là
qui serait bon de traiter au niveau des communautés d'agglo et qu'on soit aidé par la région pour que ce développement de structure soit effectif. Je voudrais rajouter quelque chose. Juste, nous avons un appel depuis un moment et vous allez faire pour un la bloc santé. De... Oui. Ah ouais, c'est dommage parce que la dame est là autant qu'elle est. Non, elle n'est pas là. On a déjà notre appel, donc bon, on récupère les appels. Voilà, je vais noter. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je vous ai demandé. La majorité des études sont présentes sur votre chaîne. Ont la solution pour l'eau dans la Guadeloupe et en majorité d'y acheter de l'eau. Et pourquoi ils attendent qu'ils soient élus en tant que président de la région avant de mettre en place la solution du nom? Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être élus. Les Guadeloupéens sont en train de souffrir, n'ont pas d'eau, ne sont pas en train dans la Guadeloupe. Pourquoi c'est après leur élection qu'ils veulent... Ils vont mettre en place leurs solutions. C'est ça ma question. Merci, monsieur. Merci de vous avoir écouté. Merci. Oui, allez-y. Alors, merci, monsieur, de votre question. Je comprends cette question, mais il faut aussi que vous compreniez que quand on n'a pas les leviers de commande, quand on n'est pas à la tête d'une collectivité, on n'a pas de légitimité. On ne peut pas, en tant que Sonia Petro, Gérald Kohali ou Marianne Seva, aller devant la Banque des Territoires et demander un accroît-prêt pour la Guadeloupe. On ne peut pas mettre en place, mobiliser 36 millions d'euros pour équiper 22 000 familles guadeloupéennes de bacs tampons. Donc ce n'est pas la volonté qui manque, mais il faut la légitimité et il faut être en responsabilité pour pouvoir faire ça. Et c'est ce que nous nous engageons à faire. Autre appel, beaucoup d'appels pour cette émission, donc nous en récupérons un maximum. Bonsoir, nous vous écoutons. Votre question. Ok. Allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous appelle de Pénarou. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Là. Bonsoir. Alors, je constate que chaque fois qu'il y a politique, il y a élection, toujours cette... qui va finir même. Alors, je vous dis, tant qu'il y a la vente massive de l'eau en bouteille, qui finance des partis, disons, politiques, cela ne va jamais s'arrêter. Il faut faire une enquête, hein, donc voilà. Alors, donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est juste une question. Merci, j'écoute. Merci, merci beaucoup, monsieur. Nous marquons, Sonia Petro, juste une courte pause et nous reviendrons avec vous sur ce que vous vouliez dire concernant la santé et puis sur l'interrogation de ce téléspectateur. À tout de suite. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau avec la liste Réussir la Guadeloupe, une liste menée par Sonia Petro. Alors, il y avait... deux questions qui étaient en suspens, mais nous continuons à récupérer vos appels. Donc, vous pouvez d'ores et déjà composer le numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Sonia Petro. Oui, je voulais préciser deux petites choses. Déjà, par rapport à la santé, aux problématiques pour les personnes en santé mentale, mais dire aussi que surtout... la Guadeloupe va souffrir dans les 5 prochaines années d'un départ à la retraite massif de médecins libéraux, de médecins médecine générale et de quelques spécialités dont la radiologie et la cardiologie. Donc, plus les professionnels de santé mentale. Il va devenir urgent que la région mette en place un dispositif pour faire revenir nos jeunes médecins, tous ceux qui ont démarré ici, qui sont partis vers ces spécialités, et là leur dire que la Guadeloupe a besoin d'eux, parce que dans quelques années, on n'aura plus de médecins. Donc c'est pour ça que nous allons encourager vraiment à la création et à l'érection de la faculté de médecine de plein exercice, qu'on passe de 3 à 6 ans, et que ces jeunes puissent à nouveau revenir et être au CHU et être dans les hôpitaux qui s'occupent de santé mentale. Ça, apparemment, il y a quand même quelques difficultés pour passer de 3 à 6. Non, mais les choses sont en train d'avancer. Le professeur Jean-Ki travaille beaucoup, donc on va l'appuyer. Et je pense qu'à l'horizon 2023, les choses vont se mettre en place.
Si vous permettez, sur le transport. Alors, on récupère l'appel bon, de téléspectateurs. Et après, je reviendrai. Et après, donc on va cheminer avec les voilà, questions, d'accord. En rajouter une à chaque voilà. fois, et puis pour y arriver. Mm. Bonsoir, nous vous écoutons. Merci, bonsoir. Je vous appelle de la commune de la Désirade. Oui. Et je voudrais poser une question qui me chagrine depuis un petit moment à l'esprit. Je Allez-y. Veux savoir, c'est bien la région qui en charge, qui a la compétence de surveiller les côtes en Guadeloupe. Oui. Alors, allez-y, vous pouvez répondre. Attendez, je n'ai pas fini. Il n'a pas fini. Bon, je crois que c'était. Constaté, j'ai lu les déclarations des programmes de tous les candidats. Et si c'est la région, à aucun moment, j'ai vu un candidat parler de ça. Alors que ça, c'est un vrai problème en Guadeloupe et c'est un vrai appel d'air pour tous les mots qu'on connaît. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est. Merci. Allez, bonsoir. Merci. Allez-y, la surveillance des côtes. Non, je ne crois pas du tout que ce soit une compétence régionale. Je crois que c'est une compétence régalienne. C'est l'État qui est en charge de la surveillance des côtes. Et les mots dont parle ce spectateur, c'est l'immigration. Le fait que des gens puissent arriver sur notre territoire sans y être invité, de façon clandestine, ça, c'est le rôle de l'État. C'est à l'État de mettre les moyens humains, les moyens matériels. Par contre, là où il a raison, c'est à la région, au président de région, d'aller rappeler à l'État leurs devoirs et leurs responsabilités vis-à-vis de notre territoire. Donc ça, par contre, on s'engage à le faire. Hein. Oui, le transport rapidement. Oui. Ben, c'est bien justement que ce soit un des Iradiens qui est appelé, parce que nous avons à cœur au niveau du transport de penser aux îles du Sud. Quelqu'un a le droit d'habiter à la Désirade, à Marie-Galante ou aux Saintes et de vouloir travailler à Pointe-à-Pitre et de rentrer chez lui le soir. Manifestement, maintenant, c'est extrêmement compliqué avec les problèmes de desserte. Et nous aussi, on a réfléchi à ça et il y a un dispositif qui s'appelle des obligations de service public. Donc, on va mettre en place une desserte avec une délégation de service public, mais avec une obligation de service public pour qu'il y ait suffisamment de rotation pour permettre aux gens de venir travailler, pour permettre aux lycéens, aux collégiens de venir et de rentrer. Et on va le faire à l'instar de Belle-Île-en-Mer. Ce qui est bon pour certains devra être bon pour nous aussi en Guadeloupe. Merci. Autre appel donc à vous de poser des questions et de vous faire une idée sur ces listes, sur les réponses qui sont apporté. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. J'ai dit bonsoir à tous. Bonsoir. Et je voulais m'adresser tout particulièrement à Madame Sonia Petro. J'appelle de Marie-Galante. Vous avez parlé de transport, oui. Mais je suis particulièrement préoccupée par le transport bateau, oui. Parce que je trouve que nous ne sommes pas très bien desservis voilà. Au niveau du service. Nous n'avons pas suffisamment de navettes, voilà, d'autant que nous avons des difficultés avec les bateaux qui sont là, qui ont constamment des problèmes et tout. En plus, au niveau de la région, nous bénéficions d'une réduction, mais qui n'est pas vraiment efficace. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas une carte où nous pourrions éventuellement avoir un abonnement, comme en métropole, hein, comme partout ailleurs, et que nous puissions payer et voyager autant que nous le souhaitons. Surtout que nous sommes pénalisés par rapport à la Guadeloupe. Voilà. Voilà. Ma question à Madame Petro, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle pourrait faire à ce niveau-là pour nous, parce que je suis très frustrée. Merci, voilà. Madame. Merci. Alors, à vous. Merci de votre question et un grand salut à Marie-Galante, puisque les Petro sont originaires de Marie-Galante et à Capesterre singulièrement. Donc, c'est vraiment un problème qui nous tient à cœur. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la desserte maritime doit être régulière. Il faut qu'il y ait des obligations de service public. Il faut faire en sorte que les armateurs, les compagnies maritimes aient des obligations. Délégation de service public, obligation de service public, afin que les Marie-Galantais, les Désiradiens, les Saint-Trois de Terre de Haut et de Terre de Bas puissent venir en toute quiétude et savoir que toute la journée, il y aura des rotations. A contrario, les armateurs n'y perdront pas.
ceux qui auront eu cette délégation de service public, puisque certaines fois, ils vont remonter à vide ou avec peu de personnes, la région mettra en place la subvention qui va leur permettre d'équilibrer leur compte. Et la continuité territoriale, elle doit aller jusque-là. Autant on a une continuité territoriale qu'on va devoir améliorer énormément entre la Guadeloupe et l'Hexagone, il doit y avoir une vraie continuité territoriale entre, pour que cet archipel soit totalement irrigué. Et ce dont Madame parlait, on va mettre en place une vraie carte, un vrai abonnement qui va permettre aux Marie-Galantais, aux Désiradiens, aux Saint-Trois de rentrer, de payer le juste prix. Alors on avait déjà mis en place ce système. Mais apparemment le système a bugué, il a bugué et il y a de vrais dysfonctionnements. On a été alerté sur la Désirade, sur Marie-Galante à ce niveau-là. Donc on va mettre en place les voies et moyens pour que ce transport y soit régulier, parce que c'est facteur d'un vrai développement économique pour nos îles du Sud. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir Madame Boissé, bonsoir Madame Pétro et son équipe. Bonsoir. Une question sur la formation. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez mettre en place sur l'apprentissage sur le territoire de la Guadeloupe, tout en sachant qu'on a une perdition de formation d'apprentissage avec un CSA qui est à l'agonie. Donc, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour permettre à nos jeunes d'avoir une bonne formation sur place? Et la deuxième question, vous aviez une demande forte de Terre-de-Bas, que vous devez venir à Terre-de-Bas pour voir la population. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous souffrons de la continuité territoriale par rapport au transport inter-île. Donc, j'attends aussi une réponse de vous par rapport à ça. Et quel jour vous venez à Terre-de-Bas? Bonne soirée. Alors, merci, monsieur. Voilà. Concernant la formation professionnelle, je crois que tout le monde a fait le constat que quand l'AFPA a été fermée, ce n'était pas une décision très heureuse, parce qu'on a créé Guadeloupe Formation, qui est devenue une véritable usine à gaz. Et malheureusement, on voit que la formation professionnelle n'est pas optimale sur le territoire. Donc, et on a de nombreux jeunes qui pourraient être en apprentissage, qui ne le sont pas, parce que trouver un patron pour l'apprentissage, ce n'est pas simple. Et il faut savoir que les entreprises elles-mêmes, elles sont en difficulté, donc elles ne veulent pas prendre des apprentis. Donc la région devra servir justement de lien entre les jeunes qui veulent être en apprentissage avec les entreprises. La région devra déjà mettre en place une concertation avec le rectorat pour identifier tous les jeunes qui vont sortir du parcours scolaire sans qualification et voir lesquels veulent entrer en formation ou en apprentissage. Et ensuite, on va rencontrer les instances entrepreneuriales telles que le MEDEF, les TPE, les CPME, avec les chambres des métiers, chambres de l'artisanat, et on verra exactement ce dont la Guadeloupe a besoin à l'horizon 2020. Parce qu'il ne sert à rien de mettre en place des formations ou de mettre des jeunes en apprentissage si au bout, ça ne débouche pas sur un emploi. Donc, quand on saura ce que la Guadeloupe a besoin dans les 10-20 ans, là, on saura exactement les formations qu'il faut mettre en place et la région mettra en place un dispositif pour inciter les patrons à prendre les entreprises, les apprentis plutôt, et les aider. Si on avait eu cette vision pour le CHU, pour la construction du CHU, parce qu'on savait depuis longtemps qu'il allait y avoir cette construction, on aurait pu mettre en place des formations, parce qu'on a des problèmes sur le second œuvre, et on aurait eu beaucoup plus de Guadeloupéens sur ce chantier, avec des clauses sociales très précises dans les marchés publics. Et je viendrai très vite à Terre-de-Bas, je n'oublierai aucun territoire, dès que on pourra passer Merci. Avec les bateaux. Merci. Nous avons un autre appel. Bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, Madame Boissier. Bonsoir, Madame. Aux membres de la liste Réussir la Guadeloupe. Je suis de Marie-Galante et depuis tout à l'heure, j'entends parler de continuité territoriale, mais vous insistez particulièrement sur l'aspect maritime. Mais qu'en est-il de la liaison aérienne inter-île? Quand on sait justement quel atout que ça peut être pour le développement touristique, donc qu'en est-il pour la liaison aérienne? Et aussi,
aussi demander à, aux membres de la liste réunie à la Guadeloupe Ensemble, à Mme Sonia Petro, vous, présidente de la région de Mar, que feriez-vous pour redynamiser le lycée de Marie-Galante qui perd chaque année nombre d'élèves à défaut d'avoir les filières adéquates sur l'île? Merci, madame. Alors, concernant la desserte aérienne, je suis particulièrement sensible à ça puisque moi, je n'ai pas le pied marin. Je fais partie des gens, quand ils vont à Marie-Galante, j'arrive et puis j'ai la tête qui tourne, je ne suis pas très bien. Donc, j'aimerais et je pense qu'on fera ce qu'il faut pour redynamiser ce secteur. On a un aérodrome à Baïf qui ne sert à rien. On tond la pelouse régulièrement et on n'a pas d'avion qui décolle vers Marie-Galante ou vers les îles. Et je pense qu'il faut réellement, en concertation avec le département, parce que la gestion des aérodromes, c'est le département, et en concertation avec les compagnies aériennes qui sont sur place, mettre en place une vraie desserte aérienne. Et je pense que là, réellement, ce serait un vecteur de développement économique et ça permettrait à des touristes qui sont là pour peut-être 48 heures d'envisager d'aller faire un petit tour de 3-4 heures à la Désirade, à Marie-Galante et ailleurs. Alors, concernant le lycée... Oui, avant, le coût de l'aérien, c'est ce qui pose problème, puisqu'il y a eu une dame qui a dit qu'elle a payé 150 euros pour venir en Guadeloupe et retourner à Marie-Galante. Donc, est-ce qu'on pourra réellement, sur des petites distances comme celle-ci, arriver à avoir un coût que le Marie-Galantais pourrait supporter? Non, après, ce sont des problèmes de concertation. Il va falloir aussi que ce sera rentable pour l'opérateur. Donc, ce sera à nous, région, de mettre en place des dispositifs un peu dans la continuité territoriale qui permettra à tout un chacun de se retrouver. Mais il est clair qu'aller à Marie-Galante en avion coûtera un peu plus cher qu'en bateau. C'est sûr. Maintenant, nous avons un autre appel de téléspectateurs. Vous allez faire les deux en même temps. Ouais. D'accord. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, Mme Détroit, c'est Colissier maintenant. Bonsoir. Alors, je voulais poser une question. On a vu il y a pas longtemps l'équipe régionale qui a été sur la basse terre, pas inaugurée, mais enfin visitée. Des infrastructures sportives entre un petit Paris et un petit Paris et des Marais. Alors, j'aimerais poser une question. Si vous, demain, vous êtes à la région, est-ce que vous avez déjà prévu qui sera gestionnaire de cette structure? Parce que la question que je me pose, à qui appartient cette structure? N'a-t-on pas mis les charges, la charrue avant les deux? Parce qu'on n'a pas de gestion, et ça me fait penser au relais sport régional d'Edina, qui est un organisme régional et qui actuellement n'a aucun gestionnaire, est fermé et un déficit de structure et de financement à l'origine, je pense. Donc c'est la question que je voulais vous poser sur le plan sportif. Et ma deuxième question serait concernant le port de Basse-Terre, qui est une ouverture sur le sud de la Caraïbe. Pourquoi la région n'a jamais, pourquoi justement les gens qui sont dans les structures ne pensent pas développer ce port pour avoir justement des sorties sur le sud de la Caraïbe, notamment sur la Martinique, parce qu'il est inconcevable, quand on habite Saint-Claude, de prendre la route pour aller prendre un bateau pour aller en Martinique. Voilà. Merci, merci monsieur. Merci. Donc là, je réponds aux deux. Hein. Oui. Voilà. Alors, concernant la plaine de jeu, où on ne sait pas trop si c'est sur le territoire de Saint-Claude ou de Basse-Terre, parce que dans la précipitation des élections municipales, on a rapidement fait une plaine de jeu. Elle est là maintenant, même si elle ne correspond pas à ce que moi j'ai comme ambition pour notre jeunesse, parce qu'au lieu de leur donner du travail, on leur donne des jeux. Mais bon, ça les occupe, ça leur permet de faire du sport. Cette plaine des sports, elle est en train d'être achevée rapidement pour avant les élections. Et je crois qu'effectivement, on n'a pas trop pensé à la gestion, ni pour le rôle des sports, ni pour beaucoup d'ailleurs de structures sportives en Guadeloupe. Et je pense qu'il va falloir faire une délégation de services publics, confier à un prestataire qui saura faire, qui saura rendre
qui saura gérer et rendre ces structures rentables. Et on devrait faire ça aussi pour le hall des sports, pour la piscine, la seule piscine olympique de la Guadeloupe, je rappelle, toutes ces structures qui sont là, qui se gèrent à la petite semaine et on voit le résultat. Alors, concernant le port de Basse-Terre, je fais le même constat que vous, hein, monsieur. Et pendant longtemps, je me suis demandé à quoi ça servait d'avoir une basse-terrienne à la tête du port autonome de la Guadeloupe, le grand port maritime, puisque manifestement, il n'y a aucune vision pour le port de Basse-Terre. On a fait Yakaoukera B sur Pointe-à-Pitre, mais pour Basse-Terre, j'attends encore ce grand projet. Peut-être qu'il est dans les cartons, hein, mais je pense qu'il va falloir réellement que la région, quand nous arrivons, puisque nous serons au port, au grand port maritime de Guadeloupe, impulser pour que le développement de ce territoire ne soit pas en déséquilibre, puisqu'il faut développer le port de Basse-Terre, lui donner une direction de croisière, mais une direction vers la Caraïbe, pour que les gens puissent aller à Sainte-Lucie, que les gens puissent aller dans d'autres îles de la Caraïbe et vers la Martinique. Et je pense que ça peut être un facteur de développement aussi pour Basse-Terre. Oui, alors vous avez laissé en suspens. C'était. Voilà, je crois que c'était. Le lycée de Marie-Galante. Il y a tellement de questions. Comment le rendre attractif? Ben, pour le rendre attractif, il va falloir que les jeunes Marie-Galantais aient envie de rester sur leur territoire. Mais pour qu'ils puissent rester, il faut qu'il y ait aussi des connexions. Parce qu'il y a des zones blanches dans toute la Guadeloupe, mais à Marie-Galante, c'est encore plus compliqué. Donc, quand nous allons lancer le grand plan de connexion de la Guadeloupe, dont a parlé Henri, nous n'allons pas oublier Marie-Galante et les îles du Sud. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait des filières qui permettent aux Marie-Galantais d'avoir envie de rester, que les lycéens aient envie de rester, et mettre en place, par exemple, une prépa talent à Marie-Galante. Il y a plusieurs prépa talents qui ont ouvert dans l'Hexagone, et singulièrement rien chez nous. Donc ça veut dire que c'est à nous aussi à aller mettre en place, à aller trouver, à aller frapper, à aller demander pour notre jeunesse. Donc une prépa talent à Marie-Galante, et à ce moment-là, les jeunes Marie-Galantais auront envie de rester dans ce lycée. Merci, bonsoir. Votre question? Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Madame Moissé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Petro. Bonsoir. Et toute l'équipe. Bonsoir. 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 J'appelle de Saint-Claude. Oui. J'entends souvent les candidats parler de retour des jeunes diplômés de la France et de la Guadeloupe. Mais qu'en est-il des jeunes diplômés qui sont restés en Guadeloupe, qui ont master, doctorat et autres, et qui ne trouvent pas de travail en Guadeloupe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les empêcher de partir, justement? Ce sera un bon suivi du savoir et de la connaissance. Merci, monsieur. Alors, je vais répondre, mais étant donné que c'est un sujet aussi qui tient à cœur à Gérald, il va répondre aussi. Quand nous avons bâti notre projet, nous avons évidemment pensé à la jeunesse, au génie guadeloupéen qui est à l'extérieur, à ces forces vives qui doivent revenir, mais nous avons bâti ce projet en pensant aussi à ceux qui sont là. Et ceux qui sont là sont victimes de quoi? Ils sont victimes de l'entre-soi qui règne en Guadeloupe, du fait que certains gardent les postes, font en sorte que les postes soient occupés par leur famille, leurs amis, ceux qui sont de leur bord. Nous, ce que nous voulons, c'est développer la Guadeloupe pour permettre que ces jeunes diplômés aient accès à des emplois bien rémunérés. Comment comprendre qu'à la région, par exemple, même si la région ne crée pas d'emplois, comment comprendre qu'au lieu d'embaucher des jeunes diplômés bien formés, le président Chalus a préféré embaucher quelques retraités pour les mettre, pour qu'ils le conseillent. Avec le salaire qu'il a octroyé à ces personnes, on aurait pu embaucher 2, 3, 4, 5 Guadeloupéens bien formés. Donc nous, ce que nous voulons, c'est ne pas faire de l'emploi cumul retraite. Ce que nous voulons, c'est permettre à des Guadeloupéens bien formés d'occuper de bons emplois en Guadeloupe, bien rémunérés. Et ensuite, on fera revenir les autres. Gérald. Merci. Pour compléter très rapidement,
La question de ce téléspectateur est très importante. La crise sanitaire a augmenté le nombre de surdiplômés, de diplômés qui sont dans notre département depuis mars 2020, qui sont dans le département aujourd'hui, dans la région, eh bien, depuis un an et demi, parce que les parents ne peuvent plus payer d'appartement en métropole, parce que les parents sont obligés d'accueillir leurs enfants avec, vous le savez tous ici, eh bien, des cours la nuit de 2h à 10h du matin, et des cours en distanciel sur ordinateur, et donc des étudiants qui sont obligés de rester, qui ne savent pas si leur année d'université ou de lycée professionnel va s'achever en France parce que c'est la crise sanitaire et qu'il y a des jauges et qu'ils ne peuvent pas retourner faire leurs études, et qui sont littéralement, chère Yvelise, coincés en Guadeloupe avec des perspectives plus que moroses. Et c'est pour ça que dans les 50 propositions que nous avons les formations pour les lycées professionnels, les formations d'accueil pour ces jeunes qui aujourd'hui sont bloqués, qui n'ont plus d'espoir ni d'aller comme avant, je pars et je reste là-bas et je fais ma vie, parce que ce n'est plus le cas depuis un an. Et là aussi, encore une équipe régionale, elle est là pour s'adapter. Et lorsque nous avons commencé à construire cette liste, parce que j'ai enseigné à l'université assez longtemps et j'ai même dirigé des structures universitaires, je me suis dit, mais ces jeunes, que font-on ? Aucun mot de la formation professionnelle à la région, ni de Monsieur Chalus, mais ni de Jennifer Linon, ni de Marius Panchard, ni de Jean-Philippe Courtois à l'époque, sur ce sujet-là, alors que depuis un an et demi, chère Yvelise, avec le sourire, chère Yvelise, eh bien ces jeunes sont en perdition. Merci. Et donc, nous avons, dans les 50 propositions, Merci. Des solutions pour ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en Guadeloupe et qui vous regardent. Merci. Nous récupérons donc un dernier appel et ensuite nous ferons un tour de plateau. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir Madame Boissé. Bonsoir aux gens invités, notamment Madame Petro et son équipe. Bonsoir. Et je félicite surtout la qualité des interventions. Alors, je vous appelle des abîmes. Alors, ma question concerne toutes les taxes régionales et notamment l'octroi de mer. Une taxe qui est très décriée par l'Europe. J'aimerais connaître la position de son équipe concernant l'octroi de mer et surtout sa position concernant la fameuse taxe chevry que Lurel avait mise lorsqu'il est devenu président. Chalus ne l'a jamais enlevé et j'aimerais savoir si elle serait enlevée. Parce que de par ma profession, j'utilise beaucoup mon véhicule et l'essence me coûte cher. Et la deuxième question, même si la Tara est une société privée, je sais que le kit défense est un kit unique, donc l'État a droit de regard. Quelle est la position de Mme Petro par rapport au prix élevé de l'essence en Guadeloupe? Et surtout, ma question, c'est l'octroi de mer. Merci. Alors, Sonia Petro, je vous demanderai, oui, de répondre, mais d'être assez précise, puisque nous sommes presque arrivés au terme de l'émission. Alors, l'octroi de mer, c'est une taxe que l'on ne va pas supprimer en arrivant à la région, puisqu'elle sert à quelque chose. Par contre, on va la réformer. On va aller sur deux axes. Un octroi de mer régional de 2,5% qui va toucher l'ensemble des biens et des services produits sur le territoire. Et cet octroi de mer ira directement abonder les caisses des collectivités locales, puisqu'elles en ont besoin dans leur budget. Et ensuite, pour pouvoir baisser la vie chère, on va faire un octroi de mer qui ne va toucher que les produits entrant sur le territoire, mais qui rentrent en concurrence directe avec notre production locale. Parce que est-ce que c'est normal que des véhicules aient un octroi de mer de 10 à 20% en sachant qu'on ne fabrique pas de véhicules ici? Est-ce que c'est normal que la climatisation, les climatiseurs aient un octroi de mer? Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment rapidement protéger la production locale, mais qu'il n'y ait de l'octroi de mer que sur les produits qui rentrent en concurrence directe avec alors, nos cette produits. Taxe chevry, est-ce alors, qu'il faut concernant l'essence, je suis comme madame. 1,64 €, je trouve que c'est très élevé. Mais je me dois quand même de dire la vérité aux Guadeloupéens. J'aimerais pouvoir dire, arrivé à la région, on va baisser la taxe régionale. Mais il faut savoir que quand on baisse cette taxe, ça veut dire qu'on fait venir, la solution c'est faire venir le carburant de l'extérieur. À ce moment-là, la SARA disparaît et c'est 300 emplois qui disparaissent.
Merci. Plus Merci. Des emplois dans les stations-service. Donc, il faut qu'on fasse des choix. Il va falloir qu'on réfléchisse à l'organisation de cette taxe, mais on ne peut pas dire carrément on baisse en oubliant merci qu'il y a Sonia 300 Petro. Familles qui risqueraient d'être impactées. Ce serait mentir. Merci Sonia Petro. Donc nous ferons un tour de plateau, mais je vous demanderai d'être vraiment très très court pour que nous ne puissions pas dépasser le temps qui nous est imparti. Donc Monsieur Roussel Dupré, vous avez la possibilité rapidement de vous adresser aux électeurs guadeloupéens. Eh bien, pour m'adresser à eux, je vais rebondir sur le mot innovation que j'avais tiré au sort tout à l'heure, en leur disant que le 20 juin, lorsqu'ils seront tout seuls avec leur âme et leur conscience dans l'urne, l'innovation va passer par un changement des mentalités et des pratiques. Si ces personnes qui nous regardent, ces électeurs guadeloupéens, votent pour les mêmes personnes, les mêmes résultats seront au rendez-vous. Donc si vous voulez que la Guadeloupe innove, si vous voulez que la Guadeloupe réussisse, le 20 juin, votez pour Sonia Petro et la liste Réussir la Guadeloupe. Marianne Seva. Eh bien, je dirais à la population guadeloupéenne qu'elle a en face d'elle une liste Réussir la Guadeloupe conduite par Sonia Petro, composée d'hommes et de femmes qui ont envie de remettre les valeurs au centre de la politique, les valeurs de probité, des valeurs humaines, des valeurs sociales. Donc, le 20 juin, lorsqu'ils seront dans l'isoloir, de voter et de faire voter pour la liste Réussir la Guadeloupe, conduite par Sonia Petro. Merci, Gérald Coralie. Eh bien, je dirais aux téléspectateurs aujourd'hui que s'ils se sentent véritablement à l'aise dans la Guadeloupe qui nous gouverne, eh bien, qu'ils restent ainsi, mais sans se mentir à soi-même ni aux autres, on sent bien que, eh bien, finalement, il faut un changement radical. Il faut un changement sur des pratiques. Ce sont celles que l'on voit tous les jours, parfois à Mantes-Verguin et parfois dans la rue. C'est le sentiment des Guadeloupéens. C'est même le vécu des Guadeloupéens. Et c'est pour cela que nous avons tous ici, avec nos différences de toutes sortes, mais finalement notre rassemblement à l'image de la Guadeloupe moderne, la Guadeloupe d'aujourd'hui, la Guadeloupe de 2020, suivi Sonia Petro, avec sa compétence, ses qualités, son engagement, sa détermination. Vous avez pu le constater aujourd'hui. Alors faites votre choix en conscience et réussissez la Guadeloupe. Merci. Cédric Loupadière. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est on ne peut plus voter comme il y a 10 ou 15 ans. Ce n'est plus possible. La situation de la Guadeloupe est catastrophique. Et j'appelle tous les Guadeloupéens qui se reconnaissent dans nos valeurs. Comme vous le voyez, vous avez une équipe qui a des compétences, qui a envie de faire Réussir la Guadeloupe. Le 20 juin, de faire voter pour la liste Réussir la Guadeloupe conduite par Sonia Petro. Et j'aimerais rajouter, on ne peut pas remettre à la tête de nos collectivités ces mêmes élus, on va dire, qui ont failli et qui n'ont pas respecté. Il faut les sanctionner. Et je vous invite aussi à venir le 12, c'est-à-dire demain, à l'hôtel Arawak, pour découvrir notre programme plus en profondeur. Merci, Janine Moès. Oui, donc moi, ce que je voudrais dire aux Guadeloupéens, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été des nôtres. Et si vous sentez que là où vous êtes, que la façon dont fonctionne notre territoire, la Guadeloupe, si vous estimez que c'est bien, je vais vous dire restez-y. Mais comme je sais que de toutes les façons, personne n'est satisfait de ce qui se fait en ce moment. Changez d'équipe, allons vers l'excellence et faisons ensemble pour réussir la Guadeloupe en faisant voter Sonia Petro. Merci. Daniette Sylvestre. Alors moi, ce que je souhaite, ce que je dis à toute la Guadeloupe, c'est de faire le choix de la compétence, de voter pour la compétence, voter pour la liste Réussir la Guadeloupe, car elle s'engage à construire demain avec vous, pour vous, et voter, et faites voter la liste Réussir la Guadeloupe. Merci. Merci Sonia Petro. Chers Guadeloupéens, chères Guadeloupéennes, vous avez été nombreux, je l'espère, à nous regarder, même à cette heure tardive, et je vous en remercie. Je voulais vous dire que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes dans un mur. Il faut qu'il y ait un sursaut guadeloupéen.
Vous devez vous réveiller. On ne peut plus continuer ainsi. La Guadeloupe peut réussir. La Guadeloupe a tout pour réussir. La Guadeloupe a simplement besoin d'avoir à la tête de la région une équipe d'hommes et de femmes avec une vraie ambition, une vraie vision. Je rêve d'une Guadeloupe qui réussit. Je rêve d'une Guadeloupe qui retourne au cœur du concert caribéen. Je rêve de ma Guadeloupe. Alors, je vous donne rendez-vous le 20 juin. Le 20 juin pour réussir ensemble la Guadeloupe. Merci à vous, merci mesdames, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc beaucoup d'appels pour toutes ces émissions. Vous aurez à cœur de suivre cette liste sur le terrain et où ils auront à vous expliquer dans les détails ce qu'ils souhaitent faire s'ils sont à la tête de la région. En tout cas, nous nous retrouvons demain soir avec une autre liste. Donc, restez chez vous, préparez vos questions et continuez à nous suivre. Très, très bonne soirée à tous.